Je m'appelle Jean-Claude Lehmann, je suis physicien. J'ai passé 20 ans de ma vie au laboratoire Pasteur-Brossel de l'École normale supérieure, mais j'ai aussi passé près de 20 ans comme directeur de la recherche du groupe Saint-Gobain. Et maintenant, je vais présider l'Académie des technologies. Et maintenant, je suis à la retraite, mais avec beaucoup d'occupation. Alors, qu'est-ce que vous pensez de la place du doctorat en France ? Je pense que le doctorat, il est ce qu'il est. Moi, j'aimais bien les thèses un peu longues parce qu'on pouvait faire des travaux beaucoup plus approfondis, mais avec le système international, il faut se caler sur ce système. Bon, par contre, ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, la visibilité du diplôme de doctorat n'est pas en France ce qu'elle est dans d'autres pays. En Allemagne, vous mettez professeur docteur ou docteur sur votre carte de visite. En France, vous ne mettez pas ça. Et je pense que l'une des raisons, c'est que les universités n'ont pas une visibilité, je dirais, une lisibilité suffisante vis-à-vis de l'extérieur. Elles n'ont pas une personnalité qui s'exprime suffisamment pour qu'on puisse dire un docteur de l'université de Strasbourg ou de Marseille ou de Bordeaux, voilà ce que c'est, voilà les compétences qu'il a, et par conséquent, voilà si on veut recruter quelqu'un qui a telle ou telle compétence, on sait où s'adresser. Donc on a vraiment un problème de communication du monde universitaire vers le monde de l'entreprise, disons, pour mieux faire connaître ce qu'est l'université, les docteurs qu'elle forme, quelles sont leurs compétences, et ensuite pouvoir convaincre le monde extérieur à l'université que les docteurs, ce sont des gens utiles. Parce que Parce qu'ils ont cette expérience de travail personnel. Dans le monde de la recherche, qui est quand même un monde qui en principe est assez exigeant, notamment sur le plan éthique, sur le plan de la réflexion, sur le plan de la méthodologie qu'il faut pour faire progresser la connaissance, et que ça c'est quelque chose qui est différent de ce qu'est la formation d'un ingénieur. Donc les entreprises ont en fait besoin de ce genre de formation, mais elles ne le connaissent pas suffisamment. Est-ce qu'il y a aussi d'autres conflits, d'autres avec les écoles d'ingénieurs C'est-à-dire que les écoles d'ingénieurs sont tellement calibrées, chacune ayant sa personnalité, qu'elles sont bien connues. Je dirais que dans une entreprise, vous avez en général une liste de toutes les écoles d'ingénieurs avec une espèce de classification qui permet de savoir si on a besoin de tel type de personnalité, on va le chercher à tel endroit. On n'a pas du tout la même chose pour le monde académique. Donc on a les gens de la recherche de l'entreprise qui connaissent les laboratoires, donc ceux-là savent à quelle porte frapper, mais le responsable des ressources humaines, pour lui, le docteur est une inconnue. Et à mon avis, c'est ces gens-là auxquels il faut expliquer ce qu'est un docteur. D'accord. Merci beaucoup, monsieur.